Chère sœur africaine, bonjour. C'est pour toi que j'ai fait cette vidéo. Je suis jolie, non? Est-ce que tu as remarqué mon make-up? Tu as vu ma bouche? Tu as vu mes lèvres? C'est bien maquillé, hein? Tu as vu mon fond de teint? Ça brille bien. Tu as vu mes fards à paupières? Est-ce que tu as remarqué même mes fossiles? Ça brille, hein? Ah, il fait comme ça, là. On voit ça bien, non? Est-ce que tu as remarqué mes faux ongles? C'est joli, non? Ça, ce sont mes cheveux. Mes brésiliennes. Tu vois comment c'est long? Est-ce que je peux t'accompagner? Je peux te suivre en boîte? Est-ce que je suis digne de t'accompagner? Mais, ma soeur africaine, tes faux sourcils, tes faux cils, là, c'est pourquoi? C'est pour bloquer la pluie? Ou bien c'est pourquoi? C'est pour bloquer le soleil, pour filtrer les rayons du soleil. Ou bien, mais est-ce que tu as remarqué mes sourcils même? Mes faux ongles, je ne sais pas. C'est pour pouvoir couper le foutou ou le plakali. C'est pour pouvoir couper le taux. Avec ça, est-ce que je peux me laver correctement? Il faut avoir peut-être l'expertise pour pouvoir utiliser des ongles comme ça. Ou bien c'est pour s'envoler dans les airs et comme l'épervier, attraper les poussins et les bloquer dans les serres. Il faut me dire. Avec ça, tu peux faire ta toilette intime? Tu peux piler foutou avec ça? Tu peux bien attraper le bois de plakali pour faire le plakali ou le taux? Tu peux piler foutou avec ça? Ça peut t'aider à caresser ton homme? Des ongles comme ça? Et ces cheveux qui descendent jusqu'au creux des hanches. Ça fait que je suis belle, hein? N'est-ce pas? Et avec ça, vous vous plaignez. On se plaint que les hommes ne nous respectent pas. Mais comment est-ce que tu veux qu'un homme te respecte avec ça? Avec des cils de 10 mètres dans ton visage. Ton make-up. Mais tu penses que l'homme, là, quand il te voit, là, il ne sait pas que ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel? Tu penses qu'il ne sait pas? Des cils comme ça. Tellement longs, on dirait des hamacs. On peut se coucher dedans. Ou c'est parapluie. Ou c'est parasoleil. Parasoleil. Je ne sais pas. Et ces ongles-là, c'est pourquoi? C'est pour gratter la terre, pour faire des plantations avec ça? Ça va remplacer les râteaux? Et ce rouge à lèvres qui est sur ma bouche, c'est pourquoi? Quand on voit ma bouche à 10 km? Et quand j'ai ces cheveux-là sur la tête-là, ça fait de moi quoi? Une sirène? Si nous voulons que les hommes nous respectent, commençons par nous respecter nous-mêmes. Commençons par nous respecter nous-mêmes, à nous accepter tels que nous sommes, parce que tu ne peux rien changer. Les cils que tu mets, on sait que ce sont des fossiles. Ces ongles de rapace-là, on sait que ce n'est pas de vrais ongles. Toi-même, tu sais que ce n'est pas vrai. L'homme que tu veux séduire, il sait que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi nous sommes embarqués dans ce faux-là? Femme africaine, femme noire, tu as des lèvres, de belles lèvres pulpeuses, un peu de brillant, parce que nos ancêtres, elles se faisaient belles, elles se maquillaient. Quand on regarde les anciennes figures de l'Égypte antique, on voit que les femmes se faisaient belles.
Tes lèvres là sont tellement belles, tellement pulpeuses. Elles ont tellement de la présence que les autres vont se faire piquer dedans pour qu'elles soient grosses comme les tiennes. Les fesses que tu as naturellement, les autres se font piquer pour avoir ça. Un beau fessier, ce n'est pas un fessier qui a 10 km de circonférence. Si nous voulons que les hommes nous respectent, commençons par nous respecter nous-mêmes d'abord. Le reste va suivre. Je n'ai pas l'impression d'être la plus belle de la planète avec cet accoutrement, ce déguisement qui est sur mon visage. Je ne vais pas à un carnaval. Mais c'est pour te parler, toi, ma sœur, qui crois que tu n'es tellement pas belle que tu es obligée de faire tous ces artifices. Non! Un crayon légèrement pour souligner tes sourcils, un brillant à lèvres, un peu de crayon autour de tes lèvres. Tu vas être belle, tu vas être sublime. Dans l'Égypte ancienne, antique, les femmes se faisaient des cheveux. On utilisait les mèches déjà. Utilise des mèches, fais-toi des tresses africaines avec. Tu vas être belle. Tu n'as pas besoin d'avoir des faux ongles. Tu n'en as pas besoin. Pour que l'homme te respecte, reste toi-même. Quand tu vas en boîte de nuit, tu n'as pas obligé de faire sortir toute ta nudité pour que l'homme te voie. Tu vas être belle. Si tu mets une jupe qui arrive juste, juste à la limite des genoux, tu vas être belle quand même. Tu n'as pas besoin de montrer tes fesses pour être désirable. En maxi jusqu'aux chevilles, tu peux être désirable. C'est dans ta façon de te présenter à l'homme qui va faire, qui va te respecter. Aujourd'hui sur Facebook, on voit toutes sortes de choses. Les hommes nous traitent des femmes qui aiment l'argent. On fait des publications où on ne fait que parler de la femme qui aime l'argent. Mais c'est nous qui faisons que les hommes nous traitent comme ça. Les hommes font des publications où ils ne font que parler du fait que les femmes sont attirées vers l'argent. Ça me fait mal quand je vois ça. Mais il faut que, en tant que femme, je fasse d'abord mon mea culpa. C'est pourquoi je me suis grimée de la sorte. J'ai exagéré. Tu te maquilles, ton visage n'a pas la même couleur que le reste de ton corps. Mais quand tu vas aller passer la nuit avec cet homme, tu ne vas pas te laver le lendemain? Tout ce que tu as mis, ça ne va pas quitter? Comment vas-tu vouloir qu'il te respecte après? On peut critiquer les hommes sur Facebook, on peut dire tout. Mais commençons nous-mêmes par nous prendre au sérieux d'abord. Le mariage, c'est pas une fée en soi. Mais c'est pas quand tu vas avoir des ongles, des faux ongles, de faux cils, de faux cheveux, de fausses fesses, de fausses bouches que tu vas espérer avoir un homme. Tu veux être juste une décoration de salon ou tu veux être une compagne de vie pour un homme? C'est à toi de voir. C'est à toi de voir, ma sœur. Même sans maquillage, tu es belle. Tu mets le maquillage pour accentuer la beauté naturelle que tu as. Oui, mais faut pas exagérer. Faut pas exagérer. C'est un cri de cœur que je te lance, ma sœur. Si tu veux qu'on te respecte, commence par te respecter toi-même d'abord. Si tu veux te marier, commence par te respecter toi-même d'abord. Et l'homme va suivre. Et l'homme va suivre. Je te lance un cri de cœur, ma sœur. Un cri de cœur. Ça me fait mal quand je vois les hommes faire de l'humour sur nous. Ça me fait mal. Mais c'est parce que nous leur donnons l'occasion de le faire qu'ils le font. Les hommes, même si certaines de nos sœurs n'ont pas l'estime d'elles-mêmes, aidez-les. Aidez-les. Pardon. Aidez-nous à amener la femme noire à s'accepter telle qu'elle est. Femme noire, tu es belle. Sois fière de toi. Moi, Marie-Gabrielle, le nom, moi, je suis fière de ce que je suis. Je suis fière d'être ce que j'ai. Ce que j'ai, je ne peux pas changer ça. Ça, ce sont de faux ongles. J'ai utilisé du sparadrap, là. Tout le monde sait que c'est faux. Toi-même, tu sais que c'est faux. Tu vas les acheter, puis tu les mets. Tu vas acheter des cils, tu les mets. Parce que tu sais que c'est faux. Sois vrai, je t'en prie. L'homme te respectera.
Merci. C'est un cri de cœur que je te lance. Je t'aime, ma sœur. Mais aime-toi d'abord. Et l'homme, il va suivre.